Salut à tous, c'est Kova. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en parlant de GTA Bruity et aussi revenir sur le YouTuber Eurogamer. Alors, je vais m'expliquer dans quelques instants. Je voulais juste vous expliquer en deux speed le gameplay de fond. Donc, tout simplement, c'est Vengeance, donc un des courts-métrages qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube. Vraiment, le court-métrage où on a fait le plus de saisons et vraiment le tout premier court-métrage. Par où on a commencé, donc c'est une série avec plusieurs saisons. Là en l'occurrence c'est le tout dernier épisode que j'ai sorti de Vengeance, et j'avais envie de vous le mettre en gameplay de fond, l'histoire que vous voyez un petit peu le travail que j'ai fait pour la série. Maintenant sachez que vraiment si vous êtes intéressé par les courts-métrages, je vous invite énormément à aller dans Playlist sur ma chaîne YouTube, dans les playlists, et aller voir la série Vengeance Copper qui est actuellement en cours et actuellement la série la plus bossée pour la saison 1. On a mis plus d'un mois et demi. On est rendu qu'à l'épisode 2 de la saison 1. Tous les samedis, normalement, il y a un nouvel épisode. J'ai demandé 25 g à ma communauté pour sortir l'épisode 3 avant. Donc voilà, s'il y a 25 g avant samedi, on sortira l'épisode avant. Bref, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est vraiment. Je voulais vraiment parler de GTA Bruity et Eurogamer. Alors je vais m'expliquer pourquoi les deux. Alors on va commencer par GTA Bruity. Donc voilà, j'étais en train tout simplement de faire un live comme d'habitude. Et faut savoir qu'en fait depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, c'est très 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 dur au niveau des lives, au niveau des vues, au niveau de tout ça. C'est vraiment très 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 dur pour moi. Et quand je vous dis c'est très dur, c'est genre vous faites des lives de 4 heures. Et il n'y a que deux personnes. J'ai essayé plusieurs jeux, j'ai essayé de varier et tout. C'est très très dur et il n'y a quasiment personne. Donc en fait, quand je fais des lives, ça me fait un peu de la peine, on va dire. Parce qu'au final, genre, ça me donne vraiment un coup de mou en fait. Parce que, genre, je vois qu'il n'y a personne, je vois qu'on fait des efforts et tout. Puis au final, il n'y a personne. Franchement, ça m'énervait vraiment. Et en fait, j'étais abruti à vu que j'étais revenu sur YouTube et j'étais pas au courant. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a raid avec sa communauté pour tout simplement m'encourager. Et j'ai trouvé ça, mais juste énorme. Et qu'il me complimente comme ça envers sa communauté et tout, qu'il dise que je suis un mec bien et tout. Franchement, je te remercie énormément. C'est juste énorme ce que t'as fait. Faut savoir que grâce à GTA Bruity, je suis passé de 2149 à 2200 abonnés. Et bien sûr, aussi grâce à Eurogamer. Vraiment, les gars, je voulais vraiment vous remercier pour déjà tout ce que vous avez fait pour moi. GTA Bruity, je voulais te remercier pour ton raid, pour ton soutien et surtout pour ta bonne humeur. Vraiment, genre, ta communauté, sachez que si la communauté Eurogamer et si la communauté GTA Bruity vont regarder cette vidéo-là, sachez que vous êtes des personnes en or pour tout simplement soutenir votre youtubeur et faire tout simplement ce qu'il vous conseille de faire, enfin pour encourager un autre youtubeur qui est en face de lui. C'est vraiment énorme, donc vraiment un énorme big up à cette communauté en or de GTA Bruity et d'Eurogamer. Je voulais vraiment vous remercier tous, pas que Eurogamer personnellement et pas que GTA Bruity personnellement, même si c'est eux qui ont fait la démarche. Je voulais aussi remercier les deux communautés parce que c'est un peu grâce à vous aussi. Ils m'ont quand même apporté des gens actifs sur ma chaîne YouTube. Maintenant quand je fais des lives, bon maintenant c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps quand je fais des lives, je retrouve un petit peu genre mais vraiment mes anciens lives. Quand je vous parle de mes anciens lives, on faisait 30 viewers par live et on restait à 30 viewers pendant tout le live. Et là on retrouve 10 viewers par live. Bon après ça navigue entre 6 et 7. Mais vraiment, enfin genre 6 et 7 viewers, c'est déjà pas mal, moi j'ai envie de dire. Vraiment, enfin ça me fait de plus en plus plaisir de continuer YouTube. Et franchement, je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Un énorme merci pour Eurogamer, un énorme merci pour GTA Bruity. Vraiment les gars, j'ai pas d'autres mots. Merci. Merci mille fois. Et merci surtout de votre bonne humeur. N'hésitez pas à aller voir la chaîne GTA Bruity, ils font tout le temps des lives. Et la chaîne Eurogamer, il fait aussi tout le temps des lives. C'est vraiment deux personnes en or, c'est vraiment deux personnes qui sont proches de leur communauté. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, ils seront là. Donc vraiment, je vous conseille fortement, c'est vraiment deux youtubeurs que je kiffe à mort. De base, c'était des abonnés à moi. J'avais 2000 abonnés, ils étaient à vers 100 abonnés, faire un truc comme ça. Ils ont réussi à me dépasser. GTA Bruity, il est passé quasiment à 14 000 abonnés. Si je me trompe pas, bien sûr, je sais pas du tout si je me trompe. Et Aurigamer est à 11 000 abonnés, si je me trompe pas. Donc c'est juste énorme en fait. Et je suis vraiment content que mes abonnés ont pu prendre le dessus. Et que voilà.
Donc voilà, je voulais énormément vous remercier les gars. Je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à vous et vous honorer tout simplement pour ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je parle à ma communauté. Si vous ne connaissez pas ces youtubeurs-là, allez faire un tour. Et voilà, j'ai juste un truc à dire. Merci.